La libération de mes frères n'est pas seulement un soulagement, Ezio. Ceux que tu as sauvés joueront un rôle crucial dans les semaines à venir. Demande-leur de t'aider, et ils te suivront. Et quand j'aurai rassemblé ma troupe de voleurs... Les voleurs gardent. Comme ça, ils créeront une diversion. Et j'en profiterai pour passer. Exactement. Je n'aurai donc pas besoin de salir mon épée. Tant mieux. Exactement. Je vais te dire ce que vous allez faire. Le plan d'Antonio repose sur un subterfuge. Nous ferons passer pour ses archers, mais pour y parvenir, il nous faut leurs armures. Elles se trouvent dans des coffres, qui ont été chargées dans des bateaux pour être livrées au palais de la soie. Pille les coffres et récupère les armures. Quand ce sera fait, trouve-moi un bateau et amène-le rapidement jusqu'ici. Nos hommes l'utiliseront pour s'introduire discrètement dans le palais. Tu peux compter sur moi. Encore une pauvre âme qui va rejoindre Saint-Pierre. Reposons. Bandit venu du sud. Et tout ça pour quelques pièces, je parle. Belle performance. J'ai failli y croire. Personne t'a demandé. Tu ne t'en sortiras pas vivant. Oh, je dois partir. Ça, c'est pitié, pas vrai. Laissez-moi partir. Je n'ai su pour rien. Buonasera. Disparais. Là-bas. Il vous suffit d'attaquer au bon... N'y pense même pas.
Molto bene, Ezio. Exactement ce qu'il nous fallait. Je vais informer Antonio de tes prouesses. Vas-y, entre. Grâce à ton aide, nous pouvons enfin relever la tête, Ezio. Nous voilà prêts à frapper. Dis-moi simplement ce que tu attends de moi. Je ne te décevrai pas. Tu approcheras par en haut une fois la nuit tombée. Milio a posté ses archers autour du palais. Tue-les, mais sois discret. Au fur et à mesure, mes hommes prendront leur place. Que fais-tu des gardes? Quand tu auras éliminé les archers, nous nous regrouperons devant ce bâtiment. Et alors nous verrons pour la suite. Aucun problème. Je m'occupe des archers et je vous rejoins. Tu as tout compris. Bonne chance. Dieu nous protège. Je connais cette bloc. Même si vous n'achetez rien, juste pour le plaisir des yeux. Diavolo! Laissez-moi partir! Oh.
là-bas. Ne le laissez pas s'enfuir. Vite, il va... Par hasard, tu vas regretter d'être venu au monde. Bien joué, Ezio. Jusqu'ici, tout se déroule comme prévu. En ce moment, mes hommes remplacent les archers que tu as tués. Nous allons pouvoir nous approcher du palais. Oui, mais pas nous y introduire. Les gardes d'Emilio patrouillent tout autour. Envoie mes hommes. Ils occuperont les gardes un moment. Tu n'auras pas besoin de te battre. Viendra le moment de l'assaut. Pense à ce que je t'ai appris. Sois prudent, Ezio. J'espère que tu réussiras. Qui a vu le combat? Juste un instant. J'ai à vous parler. Oh, oui, vous. Comment en es-tu arrivé? T'as battu quand t'étais enfant? Mais t'as perdu la... Votre petit château de cartes s'écroule, Emilio. D'un léger contretemps, ce sera vite réglé. Ce pauvre idiot d'Antonio, avec sa bande de voleurs... Oubliez-les. Vous devez vous concentrer sur l'assassin.
Pourquoi? Il est à Venise? Depuis plusieurs semaines. Êtes-vous aveugle à ce point? Contrairement à vous, j'avais affaire. Il fallait bien que quelqu'un fournisse ses armes à nos frères Florentins. Oui. Et nous avons tous vu le résultat. Je ne vous permets pas, Cardo. Hé, là-bas! Le maestro veut tous nous voir. Dans 3 jours, à Santo Stefano. Très bien. J'y serai. Moi, à votre place, je me cacherai dans un endroit plus discret. Le reste. Si vous le dites. Au revoir, Emilio. Vous, faites venir mon bateau. Il n'est pas loin. À son arrivée, chargez ses caisses et tenez-vous prêts. Je ne serai pas long. Si Carlo dit vrai. Il est sûr.